Mahmoud Chama, de l'opposition égyptienne, coordinateur du MRD en Europe, ainsi que le chargé des relations extérieures de l'IBDD, plateforme panafricaine. Je suis ici pour condamner l'arrestation et la torture que subit notre frère et ami, journaliste, activiste djihadien, Bahabori. J'appelle sa libération immédiate et sans condition. J'appelle également la communauté internationale d'agir contre ces pratiques dans notre temps, que pratique le régime de M. Déby. J'appelle également aux médias de se mobiliser, ainsi que tous les démocrates africains, européens et dans le monde, pour que ce genre de situation ne continue plus en Afrique et qu'on sorte de cette impunité qu'ont les régimes dictatoriaux en Afrique. Je demande également à tous les démocrates de s'activer et de s'unir pour coordonner et créer des activités et des soutiens à tout ce que les régimes dictatoriaux privent leur liberté en Afrique. Malheureusement, en Afrique, il y a énormément, et en particulièrement surtout en Tchad ces derniers temps, il y a énormément d'arrestations, de tortures qui se passent sous le nez de la communauté internationale, alors que le silence règne. Nous appelons à cette communauté de se ressaisir et de prendre conscience de la liberté et le manque de justice qui se passe au Tchad, ces libertés et justice qui manquent à la communauté internationale et qui nous concernent tous. Je demande la libération immédiate de Bahabori, Free Bahabori.